gloire soit rendue à Dieu. Bonsoir tout le monde. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Nous allons rentrer rapidement dans les Écritures à cause du temps. Et le thème que je vais aborder avec nous, c'est les fondements. Il y aura les quelques fondements pour un mariage heureux. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons prendre juste un texte qui servira de base dans le livre de Psaume, au chapitre 128. Psaume, chapitre 128. Et nous prenons le premier verset jusqu'au verset 6. Psaume 128, verset 1 au verset 6. Tout le monde a sa Bible? Ok, gloire à Dieu. Tout le monde a un cahier? Vous pouvez noter? Que Dieu soit béni. Comme on dit souvent, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Psaume 128. Cantique de degré, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison, tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. C'est un texte qui nous parle de la bénédiction de Dieu dans le mariage, dans le couple ou encore dans la famille. Pourquoi je parle de fondement? Quand je parle de fondement, je parle de base, je parle d'éléments essentiels sur lesquels on peut, tout le reste peut s'appuyer. Vous voyez? Je parle des principes sur lesquels on peut fonder tout un système, toute une structure. Et les fondements sont très importants dans la vie déjà courante. Et si vous lisez même la Bible, on nous dit que Dieu même a des fondements. Le Seigneur lui-même a des fondements. Il fonde les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Psaume 119, par exemple, le verset 160, c'est un texte que j'aime beaucoup. Il dit, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Donc la parole de Dieu a un fondement qui ne peut pas être renversé. Et ce fondement-là, c'est la vérité. Donc la vérité est liée à la parole de Dieu, soutient ce qu'est Dieu. Donc Dieu ne peut pas mentir. Donc il n'y a aucune ombre de variation en lui. Il n'y a aucune ténèbre parce qu'il est lumière. Parce qu'il est vérité, tout simplement. Donc, en lui, il ne peut jamais avoir un mensonge. C'est la raison pour laquelle il dit que le fondement de sa parole, c'est la vérité. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, les fondements sont très importants. Dans Psaume chapitre 11, prenez rapidement avec moi. Psaume chapitre 11, de verset 3, nous lisons. Il est dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Donc, les fondements sont importants pour nous qui sommes justes, nous qui sommes justifiés par le Seigneur. Nous avons besoin d'avoir des bases solides. Déjà dans la foi, avoir les bases de la foi, avoir les bases par rapport à l'évangile, avoir les bases par rapport à comment vivre une vie chrétienne épanouie. Il y a des personnes qui viennent au Seigneur, mais dont la vie même spirituelle n'est pas épanouie. Vous comprenez? Comment les fondements sont importants pour même un ministère. Comment avoir un ministère efficace. Un ministère béni. Un ministère qui peut évoluer avec le temps. Sans pour autant négliger les faibles commencements. Amen. Mais si les fondements sont renversés, vous ne pouvez pas avancer. Le juste ne pourra pas évoluer, aller de l'avant. Et en ce qui concerne le mariage, il y a aussi des fondements. Le temps n'est pas, vu le temps, nous ne pouvons pas parler de tout, toucher à tous les points. Mais j'ai juste relevé quelques points qui vont nous aider à avoir quelques renseignements, quelques informations
quelques vérités des Écritures, lesquelles vont nous aider à avoir un mariage heureux. Ceux qui exercent le ministère pastoral, aussi bien que moi, un peu partout, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, vous allez vous rendre compte que beaucoup des problèmes que nous avons, ce sont des problèmes des familles. Des problèmes de mariage, des problèmes de relations, vous comprenez? Des problèmes relationnels. Et la relation démarre déjà par un homme et une femme. Et après, ça peut s'étendre. Et vous allez voir que l'ennemi essaie d'entrer là. Et aussi, parce qu'il n'y a pas que l'ennemi, il y a aussi nous-mêmes le problème de compréhension, le problème de caractère, beaucoup, beaucoup de problèmes que nous pouvons rencontrer, tendent vers la famille. C'est la raison pour laquelle, comme on le disait tantôt, que la famille est la base. Amen. Dans Éphésiens 3, il est dit que toute famille dans les cieux tire son nom de Dieu. En gros, nous pouvons comprendre par là que Dieu est un Dieu de famille. Amen. Dieu voit la famille. Amen. Dieu considère la famille. Et c'est Dieu qui a fait en sorte que les familles existent. S'il n'y avait pas le mariage, s'il n'y avait pas la famille, vous ne serez pas là aujourd'hui. Amen. Amen ou pas amen. Amen. J'espère qu'il vous plaît de vivre, non? Vous êtes heureux de vivre. Amen. Vous êtes bien au Canada, vous avez tout. Gloire à Dieu. Mais c'est parce que vous sortez d'une famille. Personne ici ne sort d'un arbre. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, Dieu veut qu'il y ait une continuité. La raison pour laquelle la notion de la famille est très importante. Et le diable, le sachant, il essaie de détruire cette notion à partir de la base. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir de famille sans de mariage. Alléluia. Amen. C'est pas possible. Donc, parler de la famille, parler du mariage. Et j'insisterai un peu plus sur le mariage et peut-être la famille dans d'autres aspects. Peut-être d'autres fois, on verra ces choses. Alors, le mariage, c'est quoi? Je ne parle pas de la définition du mariage selon le dictionnaire actuel, parce qu'il y a beaucoup de changements. Aujourd'hui, deux hommes de même sexe, deux femmes de même sexe, peuvent se dire que nous, nous aimons et nous voulons faire notre vie ensemble, se marier devant les autorités civiles, voire même devant certaines églises, entre guillemets, églises apostates que j'appellerai, et qui sont en train de faire le contraire de la parole. Ce sont les traîtres de l'Alliance. Amen. Mais ceux qui connaissent le Seigneur agiront avec fermeté. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Le mariage, c'est quoi? Le mariage peut se définir comme un accord, une alliance ou encore un contrat entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire un homme et une femme. Ça, c'est la définition simple du mariage. Okay? Et si je vais dans le contexte de la Bible, je dirais que le mariage est une institution divine. C'est-à-dire que ça a été mis en place par Dieu lui-même qui est le créateur. Lorsque Dieu a créé le monde, la Bible nous dit qu'il prit 6 jours pour créer le monde. Et le 7e jour, Dieu va se reposer de ses œuvres. Et le 6e jour, avant le Shabbat, Dieu crée l'homme. Dans Genèse chapitre 1er, allons-y rapidement, le verset 26 au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous voyons ici le 6e jour où Dieu prend la résolution dans son plan parfait de créer un être qui serait semblable à lui, c'est-à-dire créé à l'image de Dieu. Tout ce qui nous distingue de Dieu, c'est son caractère divin. Je parle de l'omniscience, de l'omniprésence et de l'omnipotence. Et à part ce caractère divin qui fait partie de l'essence de Dieu lui-même, Dieu nous a donné toutes les aptitudes qu'il y a en Dieu. C'est-à-dire Dieu étant une personne, il nous a fait avec des sentiments, avec un cœur, avec une âme, une volonté, avec une capacité de prendre des décisions, d'aimer, de haïr. En bref, nous sommes une personne vivante
à l'image de Dieu. Alléluia. Aucune créature sous le ciel n'a été créée à l'image de Dieu. Aucun animal. La raison pour laquelle ne croyez pas à cette théorie qu'on appelle la théorie de l'évolution. Vous voyez? Comme quoi tu serais un descendant d'un singe. Regarde-toi un peu, est-ce que tu es descendant d'un singe? Non. Alléluia. Amen. Et si cette théorie devait marcher, nous devions aussi évoluer aujourd'hui. Peut-être que demain tu aurais une queue, ou je ne sais pas, tu aurais quatre jambes. Ah non, nous ne sommes pas le produit de l'évolution, mais nous sommes plutôt les créatures de Dieu. Amen. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Donc Dieu crée l'homme à son image. Nous sommes ici au sixième jour. Et le verset 28, il nous dit, Dieu les bénit. Dieu va les bénir et Dieu va dire, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu donne à l'homme la capacité de pouvoir régner sur la terre. Dieu est au ciel. Le ciel est le trône de Dieu. Mais la terre est son marchepied. Et Dieu a donné le ciel, plutôt la terre, pour les hommes. Donc, tel que tu es, tu dois jouir de cette terre parce qu'elle t'a été donnée. Donc, arrête d'attendre le ciel. Tu es déjà assis avec lui dans le lieu céleste en Christ. Mais pendant que tes pieds peuvent fouler ici, sache que ce lieu-là t'est donné. N'est-ce pas qu'il dit même aux enfants d'Israël, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Donc, la terre est pour toi. Et Dieu sur cette terre ne veut pas que tu sois venu accompagner les autres, comme c'est le cas de beaucoup. Ça va, ma soeur? Ah, on est juste venu accompagner les gens. Non, tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu es venu aussi pour vivre heureux. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Alors moi, je refuse d'accompagner les autres. Tu dois jurer aussi du bonheur. Amen. Dieu dit à l'homme et à la femme, soyez féconds. Je vais revenir un peu tout à l'heure sur ce texte. Prenez Genèse 2, verset 7. Là, nous voyons d'une manière ordonnée la création de l'homme et de la femme. Ils n'ont pas été créés en même temps. Dieu va d'abord façonner l'homme. On nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Dieu façonne l'homme comme un potier qui va fabriquer un vase à partir de l'argile. L'homme est la seule créature qui a été fabriquée avec les mains de Dieu. Amen. La seule. Amen. Les autres créatures, Dieu parlait. Amen. Qui est ceci? Les choses apparaissent. Amen. En ce qui concerne l'homme, Dieu façonne l'homme et il souffle dans ses narines un souffle de vie. L'homme devient une âme vivante et l'homme va commencer à jouir du jardin d'Éden avec toutes les bonnes choses qu'il y avait dedans. Et si vous allez avec moi toujours dans Genèse 2, le verset 18, Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul et je lui ferai une aide semblable. Donc je suppose par là qu'il y a eu certainement un petit temps qui s'était écoulé, toujours dans le sixième jour, qui a fait que l'homme, si vous lisez la suite, il a nommé les animaux. Et je suis sûr que quand il voyait le chien, il voyait également la chienne à côté. Je me dis, c'est bizarre, il y a un chien, il y a une chienne, il y a un chat, il y a une chatte, il y a un coq, il y a une poule. Ils étaient tous en couple. Parce que c'est le processus de la multiplication. Ils ne peuvent pas se multiplier s'ils sont de la même race. Je dirais de la même, le même genre. Il fallait qu'il y ait un genre masculin et un genre féminin. Et l'homme a nommé tous les animaux. Et la Bible dit, quand il était question de l'homme, il ne trouve pas de semblable. Et Dieu dit, Dieu regarde, il observe, Adam était seul, et Dieu dit, ce n'est pas Adam qui a dit, maître, je suis seul. C'est Dieu qui a constaté la solitude de l'homme. Amen. Donc c'est là que je comprends par là que Dieu ne t'a pas créé pour être seul. Dis à ton voisin, tu n'es pas bon que tu sois seul. Je crois que tu es en train d'hésiter de lui parler de ça. Dis-lui, il n'est pas bon que tu sois seul. Alléluia. Amen. Ah, une sœur m'a dit un jour, moi j'ai le don de Paul. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Lui-même il dit, c'était un don de Dieu. Alors Dieu dit, il n'est pas bon. Donc Dieu
ne veux pas que tu sois seul. Et qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Je lui ferai une aide semblable. Le mot aide ici est tiré de l'hébreu Ezer. Ezer qui nous parle d'être un secours, un soutien. Je lui ferai un secours, je lui ferai un soutien, un vis-à-vis. La raison pour laquelle Dieu va faire plonger l'homme dans un profond sommeil, tirant une côte et façonnant la femme. Et lorsque Adam se réveille de son sommeil, il voit Ève et dit cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Amen. Amen. Et regardez là où je voulais vous emmener, c'est le verset 24. Il nous dit, on peut voir à partir du verset 23, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc par là, je comprends que toutes les femmes qui s'appellent femme ici, qui est une femme ici, levez les mains s'il vous plaît. Toutes les femmes, on dit on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc si tu es femme, ça veut dire que tu as été prise. Amen. Dis pas amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le célibat doit tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On l'appellera femme. Pourquoi? On nous donne la raison. Parce que elle a été tirée de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ici, c'est Dieu qui parle. C'est Moïse qui a écrit le Pentateuque. Il transcrit ce qui était au commencement dans la Genèse. Inspiré par Dieu. N'est-ce pas que toute écriture est inspirée de Dieu? Amen. Utile pour enseigner. Il dit, c'est pourquoi. Donc Dieu donne la raison. Parce que la femme a été prise de l'homme, elle a été conduite vers l'homme, son mari. Dieu dit, c'est pourquoi l'homme. Donc Dieu instaure maintenant une loi éternelle. Une institution. Il met un principe qui va être éternel. Que vous soyez chrétien, que vous ne soyez pas chrétien, une fois que vous rentrez dans le mariage, vous plaisez à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens qui vivent dans le concubinage sont maudits, mais les païens qui vivent dans le mariage sont bénis. Amen. Tout simplement parce que c'est une institution divine. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Si vous respectez sa parole, vous bénéficiez de tout ce qui est de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je ne comprends pas pourquoi beaucoup de chrétiens pleurent alors que beaucoup de païens se réjouissent. Amen. Eux, ils craignent Dieu parce qu'ils n'ont pas Jésus, mais ils vivent la parole de Dieu. Mais Dieu l'a béni. Dieu est dans sa parole. Amen. C'est comme les chrétiens qui n'aiment pas semer. Ils pensent que quand ils sèment dans l'église, ils sèment dans l'œuvre de Dieu, ils enrichissent. Mais un païen qui sème, il sera béni. Amen. Toi, tu ne sèmes pas, tu es maudit, tu ne comprends pas. Et tu pries pour que Dieu te bénisse. Non, dans la sémence, il n'y a pas besoin de prière, il y a besoin de s'aimer. Amen. Quelqu'un ne dit pas amen. Amen. Quand tu as un champ, tu n'as pas mis le maïs, tu dis, j'attends que le maïs pousse. Mais tu n'as rien sémé. Un païen n'a pas besoin de réfléchir, de prier, Seigneur, s'il te plaît, envoie. Non, lui, il sème seulement. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et c'est là, Genèse 2, 24, le fondement du mariage. Dieu est l'initiateur du mariage. Amen. Tu ne te maries pas parce qu'on te demande de te marier, mais parce que Dieu l'a établi, a établi les choses ainsi, il dépose ce besoin-là dans tout temps. Donc c'est un besoin, c'est quelque chose de naturel, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adam et Ève. Alors, vous retrouvez le même texte dans Matthieu, hein, lorsque Matthieu chapitre 19, lorsque les pharisiens vont poser, les disciples d'ailleurs, excusez-moi, vont poser des questions au maître. Matthieu chapitre 19. Jésus-Christ, en parlant, ils étaient en train de poser la question par rapport à la lettre du divorce. Jésus va les ramener au commencement.
en disant au commencement, il n'en était pas ainsi. Hein? Il dira, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Matthieu 19, le verset 5, Jésus reprend la même chose. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Et donc, pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait Adam et Ève. Il faut qu'il y ait un homme et une femme. Ève n'a pas été créée la première. C'est Adam qui a été créé le premier. Donc, par là, nous voyons que Dieu respecte l'ordre qu'il a établi. D'accord? Amen. Adam, c'est l'homme. Et en tant qu'homme, tout homme doit être un visionnaire. Parce que l'ordre de Dieu a été donné d'abord à l'homme. Ok? L'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas un chef qui écrase, qui domine. Mais c'est un chef qui aide. Un chef qui entraîne vers l'avant. C'est comme la locomotive du train. D'accord? L'homme est le chef. C'est aussi l'homme est le leader, celui qui dirige. Une maison doit être dirigée par l'homme et non la femme. Amen. Alléluia. Amen. Même si dans ces nations, comme au Canada, c'est la femme qui porte la, comme on dit. Il porte le pantalon. Non, ça c'est un fondement qui est renversé et c'est très dangereux. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et la femme est l'aide de l'homme. Amen. D'accord? C'est la raison pour laquelle l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise à son mari. Amen, les femmes. Amen. Beaucoup n'aiment pas ce monde, la soumission. C'est biblique. Il faut être soumise. Femme, soyez soumise. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Quand on parle de la soumission, la soumission est simple. Il y a une mission, vous êtes sous cette mission. Amen. La mission a été donnée à l'homme et vous, vous êtes sous la mission que Dieu a donnée. La raison pour laquelle vous êtes l'aide de l'homme. Pour que l'homme accomplisse la mission de Dieu. Amen, amen. La raison pour laquelle l'homme, en tant que responsable, ce n'est pas un responsable qui doit être assis comme ça, attendre d'être servi. Non. Un homme, c'est celui qui prend des initiatives. C'est celui qui amène la famille dans le bon sens. Amen. Celui qui est le garant de l'éducation des enfants. Amen. Ce n'est pas un géniteur, c'est un père. Amen. Il y a beaucoup de géniteurs et très peu de pères. Amen. Tu me comprends? Amen. Voilà, tu as déposé la semence là, tu as un bébé, la semence là. Tu as trop de bébés, tu as même oublié. Toi, c'est comment tu t'appelles? Tu ressembles un peu à... Mais tu n'es pas un père. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre ce soir? Amen. Et si aujourd'hui la société va mal, c'est à cause du fait qu'il y a beaucoup de géniteurs et très peu de pères. Donc il faut que l'homme soit à sa place, il faut également que la femme soit à sa place. Si la femme n'est pas à sa place, elle devient Jézabel. Comme Ève. L'ordre a été donné à l'homme, mais qui a mangé le premier fruit? Ève. Elle a donné à son mari, et le mari aussi, trois sentiments. À celui qui est ferme dans le sentiment, Dieu assure la paix. La raison pour laquelle ils ont péché, Dieu n'a pas appelé Ève. Ève, où es-tu? Il dit, Adam, où es-tu? Donc si l'homme, tu démissionnes, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Parce que devant le tribunal, les hommes, vous serez jugés de la manière dont vous gérez vos femmes et vos enfants. Amen. Donc ce n'est pas une mince affaire. Alléluia. Amen. Qu'on soit rendu à notre Dieu. Amen. Bon, on n'est pas là pour combattre les hommes. On est là pour les aider. Que Dieu soit béni. Amen. On Amen. Demande toujours beaucoup au chef. Quand ça ne va pas dans une entreprise, le premier responsable, c'est le chef. Donc quand ça ne va pas dans une église, le premier responsable, c'est le pasteur. Amen. La raison pour laquelle Dieu dit, écris à l'ange de l'église de... Peut-être qu'il n'était pas... Il était peut-être pas le responsable des problèmes qu'il avait, mais il n'a pas veillé, il n'a pas su veiller. Et devant Dieu, il est coupable. Il est reprochable. Donc, un responsable, ce n'est pas une titomanie, ce n'est pas de... Hein, je suis homme, c'est moi l'homme ici, là. Je dois être servi, il faut qu'on me fasse à manger, il faut qu'on fasse des courses. Toi, tu es là que le travail, dodo, voilà. Et tu ne fais rien. Non. Moi, j'ai grandi dans cette atmosphère où le papa, quand il rentre, il a les pieds sur la table et il zappe. Il zappe la télé et il commande. Amenez la semoule. Amenez du jus. Amenez ceci. Et s'il trouve un garçon en train de faire la vaisselle, et sort de la cuisine, c'est pour les femmes. La raison pour laquelle on a eu aussi
beaucoup d'handicaps dans la vie. Amen. Et ça, c'est très mauvais. C'est à corriger. C'est à corriger. Parce que le fondement de du mariage, on verra tout à l'heure, ce ne sont pas nos coutumes, ce ne sont pas nos traditions, ce ne sont pas nos cultures. Nous, chez nous, maintenant, c'est la Bible. Amen. La Bible, amen. L'homme peut aider aussi sa femme, amen. L'homme peut faire les courses, alléluia. Amen, amen. Les hommes ne me répondent pas, on dirait. Amen, les hommes. Amen. Oui, c'est des choses qu'on n'aime peut-être pas, c'est la vérité. Dans notre coutume de la Bible, on doit aussi s'occuper de la maison, okay, faire le ménage. Moi, je le fais. Hein. Elle est là, ma femme, si je veux témoigner. Alléluia, il faut le faire. Quand on a le temps, il faut le faire. Il faut savoir épauler l'autre aussi. C'est très important. Donc, le mariage, on est complémentaire. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus pour écraser l'autre. Non, on se complète parce que l'amour va vous pousser à vous aimer. Si j'aime ma femme, je ne veux pas la voir être épuisée, fanée, parce que je peux l'aider, mais je ne l'aide pas. Non. Dès l'instant où je peux le faire, je le fais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va les frères? Amen. Moi, j'ai dit amen pour moi-même. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, il y a des conditions pour se marier. Une fois que je vais développer rapidement, les conditions pour se marier, il faut être mature. Amen. On ne se marie pas par plaisir. On ne se marie pas parce qu'il y a des plaisirs qui brûlent. Un frère m'a dit, ah, pasteur, moi je vais me marier parce que Paul a dit, il vaut mieux se marier que brûler. Que de brûler. Donc je dis, mais si tu brûles, tu es pressé, mais tu brûleras aussi dans le mariage et tu iras voir ailleurs. Non, il faut savoir se contenir, il faut savoir, il faut apprendre la maîtrise de soi. Alléluia. C'est très important. Donc il faut être mature. D'ailleurs, dans le mariage, nous pouvons scinder le mariage en deux mots, mari et âge. Donc il y a un âge pour se marier. Amen. Le mariage, ce n'est pas pour les bébés. Donc, avant de se marier, rassure-toi que tu as un lit. Une maison. Ouais, le minimum. Alléluia. Amen. Une génération où Dieu va faire. Dieu va faire. Même le jour du mariage, Dieu va faire. Après, tu te retrouves dans la maison des parents. On a où, on n'a pas où aller. Non! Il faut être capable de nourrir ta femme. Amen. Capable de prendre soin de ta famille. Nous, je ne sais pas ici c'est comment, mais quand on va à la mairie, le maire dit que les enfants sont sous la responsabilité des parents. Vous devez vous en occuper. C'est très très important. Donc il faut la maturité. Et cette maturité, ce n'est pas physique seulement. C'est aussi psychique. C'est aussi spirituel. Dans l'église, beaucoup de problèmes arrivent parce qu'il y a inégalité, il y a immaturité spirituelle dans le mariage et ça amène des tensions, ça amène des problèmes. Et surtout si l'homme ou la femme, l'un de deux est engagé, l'autre n'est pas engagé, l'autre a un niveau spirituel bas, ça fait des conflits. Donc c'est la raison pour laquelle, avant de se marier, assurez-vous que votre partenaire a la maturité. Et s'il ne l'a pas, priez et aidez-la à atteindre une maturité spirituelle. Ça va vous aider à vivre un mariage heureux, un mariage béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage nécessite la préparation. Il faut prendre le temps de se préparer dans la prière. Prendre le temps de se préparer moralement, psychologiquement. Et il faut que les parents, malheureusement, beaucoup de personnes d'origine un peu africaine, on n'a pas, d'une manière générale, je veux dire, les parents ne jouent pas leur rôle de préparer les enfants à la vie conjugale. Ce qui fait que les enfants rentrent dans le mariage, ils ne connaissent rien. Les garçons ne connaissent rien, parce que son père n'a pas pris le temps de l'enseigner. La fille ne connaît rien parce que la mère n'a pas pris le temps. Et vous allez voir, dans la culture juive, selon la parole de Dieu, c'était aux parents de préparer les enfants. Deutéronome 6 nous dit, tu inculqueras ces lois à tes enfants. Alléluia. Amen. 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 C'est très important. Donc, il faut prendre le temps, si vous êtes là et que vous êtes parents, que vous allez vous marier vos enfants dans l'avenir, prenez le temps de les préparer. De les préparer dans tout et surtout. Ça va éviter beaucoup de problèmes. Donc, il faut la maturité. Ne vous mariez pas dans la précipitation. Parce que souvent, quand on est dans la précipitation, on commet des erreurs. Hein? Le critère de mariage, ce n'est pas la beauté non plus. Hein?
tu avais une soeur qui est la trompette, tu dis, ah, Dieu m'a dit que c'est ma femme. Et ce que j'aime beaucoup avec le Seigneur, c'est que, avec les chrétiens, c'est que les chrétiens sont spécialistes de Dieu m'a dit, surtout en domaine de mariage. En fait, ils ont du mal à dire que j'aime la personne. Parce que quand on pense que si on dit j'aime la personne, c'est comme si on ne va pas te croire. Il faut sortir par une. Il faut venir par le chemin détourné. Bon, quelqu'un veut me voir, ça, tu sais, comment ça finit sa main comme ça, tu sais. Dieu, j'ai une vision. Je ne comprends pas. Le frère, depuis 2 minutes, 3 minutes, il parle, mais il tourne, il dit même pas la vision. Alors que quand il vient, c'est toujours tant. Ok, quand c'est comme ça, j'essaie, je dis, c'est quelle sœur? Comme ça, je reviens, je t'amène, j'enlève tous les raccourcis. En fait, bon, c'est la sœur. Bon, c'est Dieu, hein? Non. Il y a un homme de Dieu qui disait dans sa prédication, il disait, c'est bizarre. Souvent dans le domaine de vision, dans ce qui concerne le mariage, Dieu parle toujours de sœurs ou de frères qui sont dans l'église locale. Jamais Dieu t'a montré une femme qui est au Guatemala. Tu ne demandes jamais des femmes qui sont à l'étranger avec une adresse précise. C'est vrai. Il y a un frère qui était aussi un peu amoureux. Et Dieu m'a dit, c'est ma femme. Et lorsqu'il y a une jolie fille qui est encore revenue à l'église, il vient me voir et dit, parce que c'était plus la volonté de Dieu. J'ai trouvé celle qui est la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui. C'est celle qui vient d'arriver. Elle a fait la cour à 7 sœurs leur promettant le mariage à une date précise de l'année. Ça remonte. Alléluia. Amen. Donc, il faut veiller à cela. Amen. Amen. Alors, pour faire le choix du conjoint, nous avons besoin de nous baser sur la parole de Dieu. Beaucoup de mariages échouent parce que il y a eu des mauvais choix. Il y a eu des mauvais choix. Ne me pose pas la question. Que faire si j'ai fait un mauvais choix? Tu es dedans, tu n'as qu'à prier. Là, tu as fait des prières curatives plutôt que de faire des prières préventives. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Un homme de Dieu a dit que dans beaucoup de mariages, les frères et les sœurs deviennent des intercesseurs plutôt que d'être des adorateurs. Alléluia! Amen. Oh Seigneur, tu sens que. Alors que le mariage doit t'amener à adorer Dieu. À bénir, oh, tellement que je suis heureux. Je suis béni d'avoir tel mari. Je suis béni d'avoir telle femme. N'est-ce pas que le mariage, c'est le bonheur? Mais pour d'autres, le mariage, c'est un cauchemar. C'est vrai ce que je vous dis. Amen. C'est la raison pour laquelle ne jouez pas avec la notion du choix. Ne jouez pas avec. Vous faites un bon choix, vous aurez un bon mariage. Vous faites un mauvais choix, vous aurez aussi un mauvais mariage. Une femme querelleuse, nous dit la Bible, c'est la carie dans les eaux. Ça va te pourrir la vie. Beaucoup ont des vies pourries parce qu'ils ont fait de mauvais choix. Alors, il faut choisir sur la base de la parole de Dieu. Et il faut se laisser guider par le Seigneur. Et il faut prier. Si vous arrivez à un âge de vous marier, vous voulez vous marier, prenez le temps de prier Dieu. Seigneur, conduis-moi. Ne t'attends pas forcément à une vision. Mais ce qui est sûr, Dieu entend nos prières et Dieu répond nos prières. Amen. Amen. Dieu te conduira. Et surtout, ne va pas épouser quelqu'un qui n'est pas croyant. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, je dirais. Beaucoup aujourd'hui font cette erreur, commettent cette erreur. D'aller, oui, homme de Dieu, je la connaissais dans le monde, je vais la convertir. Non, c'est faux. Moi, la plupart des personnes que je connais, j'en connais même pas un seul qui a été converti. Au contraire, c'est l'autre qui a abandonné la foi pour suivre dans le camp adverse. Tu vas te retrouver dans une mosquée en train d'invoquer d'autres dieux. Alléluia. Il faut faire très attention. On ne pousse pas n'importe qui. Ok? Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Si vous êtes dans le Seigneur, trouvez votre conjoint dans le Seigneur, vous allez avoir une bonne compréhension, les choses vont coller. Amen. Amen. On voit que même il y en a qui sont dans le Seigneur et puis ça s'effrite. Okay? Donc ça c'est très 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 important. Et pour se marier, vous devez regarder surtout au cœur. Ne soyez pas de ceux qui tombent dans le piège
des apparences. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu voit d'abord le cœur. Amen. Amen. Beaucoup de personnes ont échoué dans le mariage parce qu'ils ont suivi la beauté physique. Et un jour, un accident est arrivé. Amen. Pour le bonheur et pour le pire. Amen. Les belles jambes que tu suivais, la fille n'a plus de belles jambes. Les jambes sont coupées, tu fais quoi? Tu les mettras toujours? Ou tu vas chercher une excuse? Oui, pasteur, j'ai une vision, j'ai une révélation, ma femme est une sorcière. On sait, où, on sait que quand des visions comme ça sortent, on sait où est-ce qu'on veut en arriver. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit oui, sa femme était sorcière après 20 ans de mariage. Ah, papa, depuis 20 ans, il t'a pas bouffé, c'est maintenant qu'il va te bouffer. Et même, Jésus n'a pas dit en cas de sorcellerie, de divorce. Tu peux prier, tu as l'onction, hein? Amen ou pas amen. Amen. Amen ou pas amen. Amen. Tu as l'onction, tu peux prier, Dieu peut la délivrer. Donc, faire attention. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et pour aussi faire le choix, vous devez avoir une même vision spirituelle, une même manière de voir les choses. Admettons que vous avez un appel de Dieu. Beaucoup de personnes souffrent, par exemple, parce que l'homme est appelé ou la femme est appelée, l'autre ne suit pas, ne comprend pas l'appel, la mission, la vision du mari ou de la femme. Et ça amène des conflits. Donc, il est important d'avoir une bonne vision des choses. Ne vous mariez pas par coup de foudre. Vous connaissez le coup de foudre, hein? C'est comme si Cupido, là, tu on vous envoie une petite flèche dans le cœur et que vous avez des 1000 étoiles. Tu veux des bring, bring, bring. Tu vois une sœur là, tu es tellement accroché, tu dis ah. Ça vient des personnes comme ça. Hein? Votre cœur, c'est l'impression que ça se déchire. Ça veut dire que c'est un piège. Amen. On ne marie jamais comme ça. On ne se marie pas par coup de foudre. Okay? Ne vous mariez pas non plus. On voit ça souvent un peu en Afrique. On va chercher une famille qui est friquée. On sait que dans cette famille-là, on voit clair. On voit clair. Donc si on rentre, c'est bon quoi. Hein? Non. Je connais un exemple, je dirai le nom, un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, connu mondialement, qui malheureusement s'est marié avec une femme pour ce but-là, parce qu'il voulait avoir un ministère fructueux. La famille avait beaucoup de moyens, elle avait propulsé. Et bien évidemment, 20 ans après, aujourd'hui je vous parle, il vient de divorcer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une maison qui n'est pas fondée sur le roc, à s'écrouler. Même si ce n'est pas aujourd'hui, demain. Ça, c'est pour moi. La raison pour laquelle c'est très important, ça peut paraître des choses banales. On peut peut-être ne pas prendre en considération, mais ce sont des bases fondamentales. Ce sont des fondements importants pour avoir un mariage réussi. Amen. Amen. Pas se marier par rapport au présent. Vous pouvez regarder un homme comme ça, Dieu peut vous mettre au cœur. Si l'homme de votre vie, vous le regardez dans le présent, lui, il n'a rien, c'est un pauvre type. Il n'a rien, tout ça. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Amen. Dieu te voit dans l'avenir. Amen. Il faut avoir les yeux de l'esprit. Amen. 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 Très bien. Un autre point, but du mariage. Pourquoi il faut se marier? J'ai l'habitude depuis longtemps, avant les personnes que j'ai encadrées, que j'ai aidées dans le mariage, avant d'entrer dans le mariage, je leur donne des enseignements, des bases, des choses que j'essaie un peu de résumer, pour comprendre un peu le sens du mariage. Et avant de commencer le programme avec eux, je leur pose toujours une question capitale. Pourquoi voulez-vous? Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Et je vous assure, il y en a qui savent pas répondre à cette question. Et c'est très important de savoir le but du mariage. Qu'est-ce que Dieu attend? Pourquoi est-ce que Dieu a institué le mariage? Amen. Amen. Et c'est là que Genèse 1 que je vous ai donné trouve son sens également. Psaume au chapitre 128. On se marie d'abord pour accomplir la volonté de Dieu. Sinon, si le but de votre mariage est en dehors de cela, vous allez avoir des problèmes.
On se marie pour accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire on se marie pour la gloire de Dieu. Dieu veut les choses ainsi, et si on le fait, Dieu est glorifié. Donc Dieu est glorifié quand il voit des couples. C'est comme ça, il tire sa gloire de l'homme. Et on se marie deuxièmement dans le but de fonder un foyer, de fonder une famille. Amen. Amen. On se marie dans le but de fonder une famille. Il y a des mariages où vous pouvez ne pas avoir d'enfants. Ce n'est pas forcément les enfants qui font le mariage. Mais dans nos contextes aujourd'hui, s'il n'y a pas d'enfants, un couple qui n'a pas d'enfants, on a l'impression qu'il y a une malédiction, on a l'impression qu'il y a beaucoup de... Et ça amène énormément de problèmes. Et cela ne doit pas être un problème pour nous qui sommes enfants de Dieu. J'ai vu des couples qui ont divorcé tout simplement parce qu'à cause de la pression des familles, du fait qu'il y avait un problème de conception. Et malheureusement, quand il y a un problème de conception dans le couple, on se dirige toujours vers la femme. Dis-nous, mon gars, comment ça se fait? Ça fait 2 ans. Ça vient quand? Et quelquefois, c'est aussi les hommes. Souvent même aussi, c'est les hommes. Vous comprenez un peu? Que des femmes sont brisées comme ça, que des couples qui sont brisés comme ça, jusqu'à ce qu'on découvre l'origine des problèmes était tout à fait autre. Donc, il faut viser la gloire de Dieu. Dieu peut vous faire passer par une épreuve comme Abraham. Amen. Amen. Pour vous bénir par la suite. Amen. Donc il faut être spirituel. Que le mariage, le manque d'enfants ne nous fasse pas devenir charnel pour aller voir Agar. Restez fidèles. Dieu vous bénira. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors, retournons un peu dans Psaume chapitre 128, rapidement. Avec moi, Psaume 128. Alors dans ce psaume, nous voyons 3 choses très importantes. Je vous disais que le mariage, c'est pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, c'est pour fonder une famille, une maison. La Bible dit, nous parle du bonheur. On nous dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. On commence d'abord par là. Ça fait partie du fondement, un des fondements des mariages heureux, c'est d'abord la crainte de Dieu. Matthieu 24, hein? 2 maisons, 2 fondements. Une maison bâtie sur le roc et l'autre maison bâtie sur le sable. Le sable, c'est tout ce qui est coutume, tradition, philosophie des hommes, votre mode de pensée. Moi, je pense que ce n'est pas ce que tu penses qui importe. Le fondement, ce n'est pas tes pensées, ton raisonnement, ton faux raisonnement. Le fondement, c'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Dieu soutient toute chose par sa parole puissante, pas autre chose. Il ne soutiendra pas ton mariage par tes pensées. Moi, je pense que non. Mais sa parole, si tu formes ta vie et ton mariage, tu réussiras. Amen. Heureux. Et quand on parle de la parole de Dieu, on a toutes les valeurs de la Bible. On parle de l'amour, on parle de la crainte de Dieu. Et on nous dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Donc, si tu es un enfant de Dieu, un homme de Dieu, et que tu crains Dieu, et que tu marches dans ses voies, automatiquement, tu jouis du bonheur. Automatiquement. Pourquoi est-ce que souvent nous souffrons? Parce que nous ne craignons pas Dieu. Parce que nous ne marchons pas dans les voies de Dieu. Voilà pourquoi nous succombons. Et dit, deuxièmement, le verset 2, tu jouis alors du travail de tes mains. Quel bonheur que d'être fier, je dirais plutôt heureux, de bénéficier du travail, du fruit de nos mains. Ça, c'est en parlant de l'homme. Et Dieu dit, tu es heureux et tu prospères. Amen. Amen. Verset 3, on nous parle maintenant de la femme. Là, l'homme est heureux, l'homme prospère. Mais mon frère, ma soeur, comment veux-tu être vraiment épanoui si tu as un bon travail, tu as de bons revenus, tu t'en sors bien, la personne avec qui partager? Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien. C'est une vanité. Amen. Tu as tout, mais tu n'as personne. La raison pour laquelle vous voyez des gens se suicider, parce qu'ils vont, ils ont peut-être, on se demande, mais comment cet homme riche, avec autant de richesses, peut-il se donner la mort?
tout simplement parce qu'il y a un problème dans le foyer. Tu peux être heureux, tu peux bénéficier de ces choses, mais si tu n'as pas la femme à côté, tu es malheureux. C'est la raison pour laquelle il est dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc pour trouver, il faut chercher. N'est-ce pas? Il y en a qui ont une femme, mais ils n'ont pas trouvé. Ils se sont mariés par procuration. D'autres encore se sont mariés par Facebook. Alléluia. Amen. Merci Jésus pour Facebook. Mais ça fait aussi des dégâts. Il y a des agences matrimoniales. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Donc là, on nous parle. Si tu crains Dieu, si tu mets ta vie, tu essaies de bâtir ta vie sur le fondement qui est la parole de Dieu, la Bible dit que la femme que Dieu te donnera sera dans ta maison comme une vigne féconde. Amen. Et la vigne en tire du vin. Tu seras tellement comblé. Tu seras tellement heureux. Tu seras tellement béni. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Amen. Non. Beaucoup ont essayé d'avoir des mariages basés sur l'argent, tout ça. J'ai vu des mariages en France. Des gens qui se sont mariés, ils ont fait des boums, des tapages. Mariage, ce n'est pas quand tu as une belle robe, limousine, je ne sais pas, tu dépenses 100 000 dollars, tu dis, ouais, moi je me suis marié, hein. Qui a pu faire un mariage comme moi? Ben, tu es le plus malheureux. C'est pas ça le mariage. Ça, c'est le jour où la fête. Et ça passe vite. Hein? Amen. Ça commence à 15h et à minuit déjà, c'est fini. Mais le mariage commence après. Alléluia. Amen. 'On s'appuie sur beaucoup de futilité. Est-ce que tu as trouvé la bonne femme? Est-ce que tu as trouvé le bon mari? Ça, c'est la grande question. Ne te préoccupe pas d'abord du m'as-tu vu. Non. Les gens viendront. De toute façon, ce jour-là, tu n'auras même pas beaucoup faim. Et c'est nous qui allons manger. Viens, nous, on vient. On sera bien servi. Mais après, si ce n'est pas le bon choix, qu'est-ce que tu deviendras? Alléluia. Amen. Il faut trouver une bonne femme pour que cette femme soit une vigne à l'intérieur de ta maison. Amen. Le mariage, c'est à l'intérieur. C'est d'abord ce que tu vivras tous les jours. L'atmosphère dans laquelle tu vas être, évoluer. Amen. Combien de personnes aujourd'hui, des mariés, ils préfèrent être dehors. Après le travail, il va dans un ganda. Après le ganda, il va visiter les amis. Tous les jours, il est dehors pour rentrer tard. Parce qu'à la maison, il n'y a pas la paix. Amen ou pas amen? Amen. Oui, on connaît beaucoup ce cas. Hein? Amen. Il n'est pas amen. Ou soit l'inverse. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. On nous dit tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Regardez le bonheur ici. L'homme est béni, il est prospère, sa femme est une vigne, on l'a, ça arrose, ça bénit. Et de l'autre côté, on nous parle des enfants comme des plants d'olivier, comme de l'olivier. Alléluia. Amen. Regardez cette beauté, regardez cette gaieté autour de la table. Amen. Nous sommes tous. Combien parmi les couples aujourd'hui mangent en famille? La femme mange à la cuisine, les enfants mangent ici au Canada, il y a le sous-sol, ils sont au sous-sol. Le mari mange à la chambre. Alléluia. Amen. Oui, l'idée. Quand les papas rentrent du travail, nous c'était comme ça à l'époque. On était là à la maison, on rigolait, télé. Mais quand le papa arrive, moi je dis déjà, bon, j'ai un devoir. L'autre, il dit, bon, moi je vais dans la cuisine, je fais la vaisselle. L'autre, je suis dans la douche. Et puis, il se retrouve tout seul. Combien? Pas d'harmonie. Il y a un problème. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que je peux aider quelqu'un ce soir? Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, un autre point, processus du mariage. Comment faire pour aboutir au mariage? Je rappelle que le mariage, ce n'est pas quand les parents savent. Dans ma famille, on sait que je suis avec elle. Non. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ça s'appelle l'union libre. Et surtout en Europe, ça marche beaucoup pour se déclarer femme seule. Comme ça, ça tombe. La manne tombe, non? C'est vrai. Amen ou pas, belle femme.
Ah, on ne répond pas. Là. Amen. Je dis Amen ou pas Amen. Amen. Voilà, soit rendu à Dieu. Nous sommes dans un pays dangereux. Il faut faire attention. Mm. On ne veut pas déclarer le mari parce qu'on veut avoir. Ce que tu cherches à voir là, ça va, c'est ça qui va détruire ton couple. Tu ne comprends pas. Faut être dans la vérité. Amen. Amen. Ah, je sais que ça peut ne pas plaire à certains, mais c'est la vérité. Amen. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Hébreux chapitre 13, prenons-le rapidement. Hébreux au chapitre 13. J'ai encore un peu de temps. Hébreux chapitre 13, nous lirons le verset 4. C'est un ordre ici. On nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dieu dit ici que le mariage soit honoré. Il faut que le mariage soit honoré de tout le monde. On ne se marie pas en cachette. On se marie publiquement. Et d'après la parole de Dieu, vous devez avoir la bénédiction des parents. Amen. Amen. Très important. Éphésiens chapitre 6, 1 à 4, il nous dit, également, Exode 20, verset 12, il nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives, tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Donc, avant de te marier, il faut l'accord des parents. Il faut, si dans, vous êtes issu d'une tribu, ou si dans votre culture, il y a la notion, ce qu'on appelle la dot, parce que ce n'est pas partout dans le monde. Hein. Il y a des coins où, comme en France, vous n'êtes pas obligé de faire la dot. D'accord? Ça n'existe pas. Okay? C'est juste les deux familles qui se rencontrent. D'accord? Mais dans la famille africaine, il faut qu'il y ait la dot. Puisqu'il y a la dot. Pas une dot exagérée. Aujourd'hui, il y a des listes. Il y a des frères en Afrique qui n'arrivent pas à se marier parce que quand ils voient la liste, ils regardent les revenus, ils se disent impossible. Il n'y a que. Il dit. Alléluia. J'ai vu un frère qui disait, il priait Dieu, il dit, ah, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Tellement que la facture était énorme. Il demandait le secours d'en haut. Alléluia. Non. Il y en a qui savent exagérer. J'ai vu un monsieur qui a demandé une liste pour hommes, pour femmes. Et à la fin, il demande, bon, en argent, il faut 5000 euros cash. Quoi? Mais ils vont vivre comment? Non. Mais la dot, comme un symbole, comme on le voit dans la Bible, okay? Ce qui est exigé là, c'est important. De sorte que le père puisse bénir son enfant. Alléluia. Amen. Qui va, qui entre dans le mariage. N'oubliez pas, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il faut que les parents soient honorés. N'oubliez pas. Vous voyez ça avec l'exemple de Rebecca. Amen. Hein? Rebecca, Abraham envoie son serviteur avec des présents pour honorer la belle famille. On le voit aussi avec Rachel. Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel. On lui donne Léa. Il était obligé de travailler encore 7 autres années. Donc 14 ans de travail pour avoir Rachel. Tu te rends compte, une dot qui équivaut à 14 ans de travail. C'est quelque chose, hein? Tout ça, c'est aussi sa punition. Il avait volé la bénédiction, il fallait qu'il soit puni. Amen. Alors, évitez l'union libre. Dieu n'est pas dans l'union libre. Si vous êtes dans l'union libre, vous ne bénéficierez pas de la bénédiction de Dieu. Vous êtes exposé au diable. Les démons peuvent vous attraper facilement. Vous allez avoir des problèmes, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Parce que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Ne jouez pas avec le problème de péché. L'union libre, ça fait de vous des gens qui vivent dans l'impudicité. Et moi, j'appelle ça l'impudicité chronique. Vous le buvez à tout moment. Et Dieu n'exauce pas les péchés. Amen. Le problème du mariage doit être pris au sérieux parce que beaucoup le négligent. Surtout en Occident, on néglige ces principes. Et on ne comprend pas pourquoi des problèmes de foi d'autres spirituels nous atteignent. Des problèmes de possession, des problèmes de mari, de nuit, femme de nuit, plein de problèmes spirituels. C'est aussi parce qu'il y a des portes ouvertes. Amen. Amen. Et deuxième personne, enfin, deuxièmement, il faut honorer l'Église. Honorer l'Église, les chrétiens, les enfants de Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voyons ça avec les noces de Canaan. Christ a fait, il a été invité à ses noces. Il a été invité aux noces et avec ses disciples. C'est là où il a même fait le tout premier miracle. Il changeait l'eau en vin. Vous avez les autorités civiles. Et là aussi, nous voyons des lois qui diffèrent. Ici, en Amérique du Nord, un pasteur, par exemple, peut célébrer un mariage. C'est bien ça, non? Un mariage qui est reconnu au niveau de l'État. C'est bien ça, non? Je sais que c'est aux États-Unis. Je pense que c'est ici aussi. Mais en France, ce n'est pas le cas. En France, il faut absolument passer devant la mairie. Hein? En Afrique, il faut aller devant le gouverneur, devant le bourgmestre. Et ça aussi, c'est important. Romains 13 nous dit que toute personne doit être soumise aux autorités supérieures, aux autorités. Donc, il faut que le mariage soit aussi honoré au niveau de l'État. Si vous êtes là et qu'au niveau de l'État, ça n'a pas été fait, il y a quand même une brèche. Il faut le faire, il faut l'honorer, il faut le régler. Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, je vais parler d'un autre point rapidement. Je m'en vais vers finir. Sur les trois niveaux d'intimité, ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment que vous puissiez bien assimiler en ce qui concerne le mariage. Pourquoi est-ce que beaucoup de mariages sont brisés? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui entrent en jeu, mais l'Esprit de Dieu m'a aidé un peu à retirer juste trois niveaux d'intimité qui doivent être entretenus et cultivés dans un mariage, dans un couple. Trois niveaux d'intimité. N'oubliez pas que Paul assimile le mariage entre un homme et une femme avec le mariage qu'il y aura entre Christ et l'Église. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25. Il dit, ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Or, il est dit dans 1 Corinthiens 6 que celui qui s'attache à une prostituée ou à une femme devient un seul corps, une seule chair. Quand vous allez avec une femme, vous devenez un avec cette personne. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc là, nous voyons la notion de l'intimité. Vous voyez? De cette fusion. Il y a comme une fusion. Il y a comme une... On se joint. Et trois choses, trois niveaux ou trois formes d'intimité qu'il faudra impérativement développer. Un, vous notez, l'amitié. Deux, la fraternité. Trois, je parlerai des fiançailles. Je vais m'expliquer dans la Bible. Et ça, nous le voyons dans le texte de Cantique des Cantiques. Est-ce que vous pouvez prendre rapidement avec moi Cantique des Cantiques? Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas lire ça parce que ça paraît un peu... un peu perdu, un peu... Il y a des livres comme ça, Cantique des Cantiques, Philémon... de livres un peu, bon, on n'a pas trop l'habitude de les lire. Cantique de Cantique, prenez d'abord le chapitre 1er, le verset 15, et nous lirons le chapitre 2, verset 1 à 2. La Bible dit, que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Ici, c'est le roi Salomon. Une image de Christ qui parle à la tsunami, une image de l'Église. Et nous pouvons transposer cela avec la relation d'un homme et d'une femme. Et l'homme qui appelle sa femme mon ami. Notez ça très bien. L'amitié, mon ami. Cantique 2, le verset 1 à 2. Je suis un narcisse de Saron, un lys du vallée. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Là encore, Salomon appelle la tsunami mon ami. Donc, vous devez comprendre que pour que vous ayez un mariage réussi, vous devez considérer d'abord votre partenaire comme étant votre ami. Ton premier ami doit être ton mari ou ta femme. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Ton premier ami doit être ta femme. Amen. Ou ton mari. Et deux amis ne se trahissent pas.
Deux vrais amis ne se trahissent pas. Amen. Quand quelqu'un te trahit, c'est que ce n'est pas un ami. Mm-hmm. Comprendre l'amitié, regardez David et Jonathan. Mm-hmm. Amen. Amen. Une amitié scellée mm-hmm. par une alliance mm-hmm. jusqu'au bout. Amen. Personne n'a trahi l'amitié. Mm-hmm. Quand je vois aujourd'hui des femmes qui peuvent tromper leur mari ne sont pas leurs amis. Mm-hmm. Quand je vois des hommes qui peuvent tromper leurs femmes ne sont pas leurs amis. Amen. Amen. Et même dans le cadre du ministère, pour vous protéger, parce qu'il y a aussi beaucoup de pièges, votre femme doit être votre source de délivrance. C'est-à-dire quand vous avez même une attaque, vous devez l'exposer. À chaque fois que vous l'exposez, ça perd son effet. Amen. 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 Moi, si tu oses me draguer, je vais t'exposer auprès de ma femme. Celle-là, elle m'a dragué. Alléluia. Même quand j'allais au travail, je disais, il y a une fille là au travail, là, me dis des mots là. Je préfère te dire, parce que quand je te dis ça, hein, même s'il y avait une influence démoniaque, c'est brisé. Amen. Tu vas pas m'avoir, tu vas sortir où? Sirène des eaux. Et c'est parce que on considère pas le partenaire qu'on a comme un ami. Voilà pourquoi on est aussi exposé, on tombe en combat. Un ami. Une ami. Cultiver avec cette relation. Amen. Amen. De proximité. Tout se dire. Et regardez même, je veux, avant de passer dans la deuxième étape, regardez le verset 5, toujours de Cantique de Cantique, chapitre 2. Il dit, soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Je suis malade. Toi, quand tu es malade d'autre chose. Mais Salomon était malade d'amour. Quand tu as un ami, je me rappelle à l'époque, on n'était pas encore mariés, on avait tellement un ami, on était trop proches, quand on se parlait, on n'arrivait pas à se quitter. Quand moi, j'allais les raccompagner, j'arrivais jusque chez lui, lui aussi venait les raccompagner, et j'allais à nouveau les raccompagner, et c'était ainsi de suite. Et regardez aussi quand un homme fait la cour à la femme. Hein, il est toujours à l'heure. Rendez-vous à 15h, 14h, elle est déjà là parce que c'est jamais. Si le bus est en retard. Alléluia! Mais bon, on se permet quand même de venir en retard dans l'œuvre de Dieu, quoi. C'est pas un problème. Bon, ça, c'est juste un petit rappel. Alléluia! Bien. On était là. Quand tu as donné rendez-vous à la fiancée, tu dis, bon, telle heure, on s'appelle. Tu vas voir, elle surveille le téléphone. Oui. Moi j'appelais souvent chez ma femme. Elle était mariée, mais les parents disaient, mais attends, vous exagérez, les téléphones, j'appelais sur le téléphone fixe. Mais il n'y a pas que vous ici. Tellement qu'on restait longtemps. Et quand c'est comme ça, ton cœur bat. Et le prochain rendez-vous, c'est pas dans une semaine. Hein. Alléluia. Dis à ton ami l'amitié. L'amitié. Dis encore l'amitié. L'amitié. Soyez de vrais amis. Soyez de vrais amis. C'est très important. Deuxième dimension, deuxième type de l'intimité, je parlerai de la fraternité. Elle doit être, il ou elle doit être ton ami. Deuxièmement, il doit être ton frère, ta sœur. Amen. Alors, vous prenez ça toujours dans la Bible. Hein? Cantique de Cantique, chapitre 4. Cantique de Cantique 4. Le verset 9 et le verset 12. Il y a d'autres versets certainement, mais je vous donne que les deux textes. Il dit, tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Et tu me ravis le cœur par l'air de tes regards. Verset 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée et une fontaine scellée. Donc là, nous voyons la fraternité. Ta femme, ton mari doit être plus que ton frère biologique. Mm-hmm. Et quelqu'un me dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est vrai. Même quand le Seigneur parle du mariage, il dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il faut que le cordon ombilical soit coupé. Amen. Toi, tu es marié, mais ce sont tes frères qui font la loi chez toi. C'est la famille de ta femme qui font la loi, qui fait la loi chez toi. Mais c'est normal qu'il y ait des conflits. Amen. Amen. Toi, tu es marié, excusez-moi,
Tout ton argent, c'est d'abord ta famille qui profite. Ta famille élargie et ta famille restreinte vient après. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Quand l'argent tombe, écoute, l'Afrique appelle, tel problème. Et tout part. Non. Avant que les autres ne profitent, il faut d'abord que ta famille ait suffisamment profité. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. De toute façon, ils ne mourront pas. Et s'ils veulent réclamer, dis-leur, toi aussi va te marier. Alléluia. Amen. Non, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Donc il faut qu'il y ait cette proximité. C'est ta sœur. Oui. Prends-la comme ta sœur. Un jardin fermé. Un jardin doit être arrosé, entretenu. Mais aussi, il faut mettre une haie, une clôture. Hé, hey, ne rentre pas, c'est mon jardin. Je l'arrose. Donc un mariage doit être arrosé aussi. Amen, les frères. Amen. Depuis que vous êtes mariés, c'est la dernière fois que tu as amené ta femme au restaurant, remonte au camp. Peut-être mon restaurant, c'est le Burger King. Ouais. Alléluia. Est-ce que je peux nous aider? Amen. Amen, amen. Amen. Non, je n'indexe personne. Hein. Excusez-moi. Si je vous ai blessé, pardonnez-moi. Un jardin fermé. Et ensuite, il dit, une source fermée, une fontaine. Et ça me rappelle le texte. Allez-y rapidement avec moi dans ce texte, dans le livre de Proverbes au chapitre 5. Proverbes chapitre 5, nous lisons rapidement le verset 15 au verset 19. Proverbes 5, verset 15 au verset 19. Ta sœur, il faut qu'il y ait cette intimité-là. Il dit, bois les eaux de ta citerne. Dieu te conseille ici, un homme, l'homme. Bois les eaux de ta citerne. Donc ta femme est ta citerne, c'est ta source. Amen. Ce texte est beaucoup plus profond. Et je laisse le reste. Au pasteur aimé pour rentrer encore en profondeur. Parce qu'il y a une profondeur ici, là, terrible. Amen. Et dit, les eaux qui sortent de ton puits. Donc ta femme, c'est ton puits. Et dit, tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Hein, l'homme? Qu'est-ce que tu vas chercher avec la femme adultère, la femme d'autrui? Ça, c'est moi. Tu as tout. Amen. 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 Des fois même les hommes trompent leurs femmes avec des femmes moches, excusez-moi, si on peut comparer. Pourquoi? Il dit, tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui va avec la femme d'autrui, ça tire la mort. Amen. Amen. Maintenez ça très bien. Quelqu'un qui va avec le mari d'autrui, ça tient la mort. Dieu a dit un homme et une femme. Il dit, et non pour les étrangers avec toi. Verset 18. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle plein de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes. C'est dans la Bible. Hein? Amen. Donc Dieu était un vrai poète. Sois épris. Enivré de ses charmes. Tu as le droit dans tout avec ta femme et ton mari. Amen. Amen, amen, amen. 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 1 Corinthiens 7 nous dit d'ailleurs, le corps de l'homme ne lui appartient pas à sa femme, inversement. Mais quelqu'un d'autre, tu ne regardes pas. Tu ne convoiteras pas la femme de toi, dit la Bible. Non, c'est un péché. Jésus dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Donc le péché, avant même que ça soit un acte, c'est des attitudes, des choses à éviter. Troisième niveau d'intimité, on va aller dans les derniers points. On nous parle de fiancé. Le terme fiancé va plus loin que ce que nous connaissons. Hein? On parle vraiment des fiançailles, on voit une intimité vraiment proche. On voit vraiment, vraiment une intimité. Ça, on retrouve ça vraiment dans le mariage, quoi. Hein? C'est-à-dire là où vous allez, le but même des rapports intimes, c'est pour aller dans la profondeur, pour être un. Plus vous êtes séparés, longtemps vous êtes séparés,
l'ennemi essaie d'entrer et les distances entrent. Mais plus vous rapprochez, plus il y a une comme vision, comme une unité. La raison pour laquelle Paul dit, ne vous privez point l'un de l'autre. On sait pourquoi il le disait. Il le parlait, il le disait par l'esprit. Aujourd'hui, nous voyons, même dans l'église, tu vois le frère là, il est toujours colérique, tu ne sais pas pourquoi. Frère, pourquoi tu es en colère? Il ne te dira pas la raison. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Moi, j'ai eu trop de cas comme ça à l'église. Tu vois la soeur comme ça, méchante. Mais ça va, ma soeur? Tu ne chantes pas aujourd'hui? Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a? On ne te dit rien. Mais... dis à ton ami, gère. Dis-lui, gère bien. Alors, je veux nous donner juste quelques 5 à 6 conseils pour terminer. Je vais finir là. Quelques conseils pour construire un mariage heureux. Vous savez, le mariage, comme je disais, c'est comme une maison. Et dans une maison, vous avez 3 choses. Vous avez le fond, la fondation. Vous avez les matériaux, les murs. Et vous avez la toiture, n'est-ce pas? La fondation doit être la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu en pratique. Les matériaux de construction, on parle de beaucoup de choses. En termes de matériaux, je vous donne rapidement pour vous noter. En termes de matériaux, vous avez plein de choses. Vous avez la complicité. Vous devez avoir la complicité dans le tout. D'accord? Complétez-vous. Vous avez le dialogue. Ça, ça vous aide à bâtir un couple heureux. Il y a beaucoup de couples qui ont un problème de dialogue. Hein? La communication ne passe pas, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes, c'est comme ça. Et là, l'ennemi essaie d'en profiter. Moi, quelquefois, j'ai des petits soucis avec ma femme, c'était ça. C'est quand il commence à voir un peu, bon, voilà, chacun dans son coin. L'homme dort, il est position est, la femme position ouest. C'est sûr que là, c'est compliqué. Alléluia! Il faut toujours régler. Donc, ça, c'est la tendresse. Hein? Dans un couple, il faut qu'il y ait la tendresse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Surtout nous les Africains, on a du mal à dire je t'aime. Oui ou non? Tu sais que tu es amené. Je te dis ça le jour du mariage. Qu'est-ce que tu veux? Ça va changer. Alléluia. Amen. Des petits câlins, des petits bisous. Hein? On le voit, hein? Moi je vois Eric et Brigitte, 35 ans, ils m'ont dit tout à l'heure, mais tu le vois de temps en temps, même en voiture, et je dis, oh. Nous là, on a des problèmes. C'est le sujet tabou. Moi-même, des fois, quand on me touche la main, quand je dis attention. On pense que lorsqu'on te touche la main, tu deviens moins spirituel. Non, alléluia. Le problème, c'est très important. L'affection, c'est très important. Amen. Ça, ça fait partie des matériaux de construction. Je parlerai aussi de la confiance. Si dans un couple, vous n'avez pas confiance à votre conjoint, vous n'irez pas loin. Amen. Ayez confiance. Ayez confiance. Ah non, mon mari parle avec ta soeur, forcément. Donc, non. Ayez confiance. Amen. Donc, la confiance est très importante. Et vous avez aussi l'encouragement. Sachez encourager l'autre. Nous, on a du mal avec ça. C'est un peu mon défaut aussi. Pour encourager, je t'encourage, mais dans le secret, quoi. Mais te dis comme ça. Si j'ai du mal, j'avais du mal. Ça commence à changer. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu pour nous tous. Hein? Amen. Il faut la sagesse divine. Savoir comment gérer les conflits. Même quand il y a un problème, quand il y a une nouvelle, un problème y arrive. Personne vient du travail, tout de suite, boum! C'est sûr que tu ne vas pas ramener l'ambiance. Sachez comment gérer. Sachez quoi dire, à quel moment dire, le dire. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ça, c'est très important. Cette sagesse-là, on en a vraiment besoin. Et il y a plein d'autres choses. Ok? Ça, ça fait partie des matériaux. Le dialogue, la communication, la tendresse. La considération, sachez considérer l'autre. Ce n'est pas une machine. Mm-hmm. Ce n'est pas un instrument de plaisir. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Non, c'est un être humain. Ok? Tu peux être fatigué. Toi, quand tu veux, c'est tout de suite. Mais si elle est fatiguée, tu peux aussi comprendre qu'elle est fatiguée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Quelqu'un ici ne m'a pas compris. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Et le toi, bien sûr, c'est Christ. 1 Corinthiens 11, verset 13. Christ est le chef de l'homme.
Amen. 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 Il faut que cet ordre-là soit maintenu. Alors, quelques conseils rapidement et je finis. Pour construire un mariage heureux, premièrement, prenez le temps, prenons le temps de méditer la parole de Dieu en famille et de prier aussi en famille. On a tendance à le négliger, mais la méditation et la prière en famille est une force. Amen. Et le diable fait tout pour qu'on n'ait jamais le temps d'être en famille. N'oubliez pas que l'unité est une force. Amen. Amen. Les occultistes le savent. La raison pour laquelle même dans les confréries, ils sont tellement serrés comme ça. Soudés, difficile d'entrer. Et nous, ce qui nous manque en tant que chrétiens, c'est l'unité. Si l'église est faible aujourd'hui, vérifiez bien, c'est surtout un problème d'unité. On n'est pas unis. Le diable ne veut pas non plus que nous soyons unis. Il ne veut pas qu'il voit des couples unis. Il veut mettre la division, les problèmes. Faites tout, priez ensemble, méditez la parole de Dieu ensemble. Amen. Deutéronome chapitre 6, vous pouvez noter versets 4 à 9. Deutéronome 6, 4 à 9. Deuxième point, deuxième conseil pour construire un mariage heureux. Ne vous privez point l'un de l'autre. Le diable passe beaucoup par là aussi. Parce qu'il met des écarts, ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. On le voit des hommes, des femmes qui arrivent à tromper leur partenaire parce qu'il y a eu un long moment de séparation. La Bible dit, séparez-vous pour vaquer à la prière. Ça doit être d'un commun accord. L'homme veut gêner, la femme ne veut pas. N'accepte, ne le fait pas. Que les personnes qui rentrent dans des longs jeûnes sans l'accord de leur partenaire et ça met des problèmes. Et quand les problèmes arrivent, le mari après va voir ailleurs et tu pleures encore, Seigneur, mon mari. C'est ta faute. Alléluia. Disons la vérité. Disons la vérité. C'est pas ce qui est écrit. La Bible dit qu'il faut que ça soit d'un commun accord. Et puis pour vaquer à la prière et puis retourner ensemble. C'est ce qui est écrit. C'est le fondement. Amen. Vouloir soit rendu à Dieu. Troisièmement, ayez l'habitude de communiquer librement. La communication doit être libre, fluide, franchement, et surtout avec amour. Pas dans un esprit de supériorité, encore moins. Okay. Et quand il y a des conflits, avant de gérer, avant de parler de vos problèmes de conflit ailleurs, essayez d'abord de laver ça en rentrant. Amen. Que les problèmes n'arrivent pas, qu'on n'arrive pas à gérer parce qu'on ne discute pas. Amen. Et puis, on veut parler de ce problème de couple à l'extérieur. Sachez aussi vers qui se tourner. Amen. Tu ne comprends pas, toi tu parles à tout le monde. Mais le jour où vous allez régler, et moi, d'habitude, hein, je n'entre pas dans le problème de couple. Parce que le jour où vous êtes aimé, je n'étais pas là. Amen. Je me suis fait avoir, j'étais encore trop jeune. Papa ici, il me connaît. Trop jeune dans le ministère. Bon, une femme vient, elle se plaint de son mari. Si c'est pas normal, le mari, là, qu'est-ce qu'il fait? J'arrive, je commence à fustiger un peu le mari. Ah, quelques jours après, ils sont rentrés entre eux. J'avais honte. J'avais honte. J'ai dit, toi, je me suis fait avoir. J'ai dit, c'est la dernière fois. Tu me parles. Mon mari, dit, ok, tu sais ce que je vais faire? Il est où? Venez tous les deux. Parce que quand tous les deux vont être devant toi, tu vas découvrir des choses qu'elle n'a pas dit. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Et ensuite, ça partit adverse et on juge. Ne rentrez pas dans des affaires de famille, de couple, hein, parce que c'est mon ami, parce que non. Il faut que les deux soient là et vous discutez. Les choses seront claires. Non, mon mari ne m'écoute pas. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour que ça arrive là? Il n'y a pas de fumée sans feu. Souvent, tu es pour quelque chose, mais comme tu es orgueilleux, tu veux montrer que l'autre est mauvais. Toi aussi, tu es mauvais. Ou mauvaise, au nom de Jésus. Amen. Dis amen. Amen. Dis pas amen. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est très important. Et dans le couple, je conseille aussi, ayez quand même une personne mature spirituellement qui peut vous accompagner, vous encadrer, aussi vous écouter en cas de problème. Parce que nous sommes des hommes, à quelque niveau que ce soit, on peut rencontrer des difficultés. Amen. Quand les difficultés sont là, ne pensez pas que si vous êtes spirituel, vous allez tout gérer. Voilà aussi là où le diable arrive à voir. On
plus on cache des choses, on ne les règle pas, ça prend, ça s'envenime, et un jour c'est l'explosion, c'est le clash. On ne comprend pas du jour au lendemain, divorce. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a commencé quand? On cachait. On ne veut pas que les gens sachent. Alors qu'il y a des vrais problèmes, des problèmes sérieux. Donc ne le faites pas. Alléluia. À la rigueur, si vous avez un pasteur, allez le voir. Même si vous êtes pasteur, ayez aussi un pasteur qui peut aussi. Là, ça va dire, là, papa, là, voilà, ça va. Là, vous priez pour moi, donnez-moi des conseils. C'est important. Nous en avons tous besoin. C'est aussi une preuve d'humilité. L'orgueil veut que tu penses que tu es parfait. Personne n'a rien, n'a pas de conseil à te donner. Quatrième conseil, hein, rapidement, soyez aimable. Beaucoup de personnes, beaucoup de couples ne vont pas bien parce que le mari ou la femme est désagréable. Être dans sa présence, tu as l'impression, mais tu es gêné. Quelle belle famille ne peut pas venir rendre visite? Soyez. Amen. Favorisez cette atmosphère de paix, de joie, hein, dans la maison. Donc, il faut éviter tout ce qui peut amener la colère. Évitez aussi des remarques répétitives. Tu es là tout le temps remarquer, faire remarquer les mêmes choses. Tu vois, toi, là, tu sais, il y a un couple qui a voulu se divorcer à cause d'une brosse à dents et d'un dentifrice. L'homme aime que ça soit ici, la femme que ça soit là. Et du jour au lendemain, clash, problème. Et j'arrive à la maison, attends, où est le problème? C'est quoi le problème que vous m'avez appelé? Personne n'arrive à parler parce que, attends, en fait, c'est qu'il nous a amené là, c'est le dentifrice. Que des futilités. La plupart des couples qui divorcent ne croient pas que c'est toujours des gros problèmes. Hein. C'est souvent des petits problèmes banal qu'on peut minimiser, mais un jour ça peut devenir des gros problèmes. Alors, évitez aussi de critiquer. Vous êtes là, vous êtes marié, mais vous critiquez votre femme, vous critiquez votre mari, avec vos frères, avec... Non, vous devez protéger. N'acceptez pas non plus que quelqu'un vienne critiquer votre femme ou votre mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne l'acceptez pas. Moi, je ne suis pas accepté. Tu n'as pas le droit de venir critiquer ma femme, non. Si elle a une remarque, fais la remarque. Et puis, si elle a tort, on va voir comment on va régler. Moi, je m'assois là, elle n'est pas bien. Et lui, il me dit, ah oui, c'est vrai, hein? Oui, ma femme. Non. Tu la critiques, tu me critiques. Amen. Tu me critiques, tu la critiques. Donc, c'est des choses à éviter. Je ne dis pas qu'il faut être aveugle, ne pas voir. Si elle a un défaut, on verra comment régler le défaut. Mais ne critiquez pas. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et dernier conseil que je peux vous donner, faites tout pour devenir mature avec Dieu. Et regardez, il dit, les deux, l'homme quittera son père et sa mère, et ils deviendront une seule chair. Je vais terminer là, suivez-moi bien. La Bible dit, ils deviendront. C'est-à-dire, c'est au futur. Hein? Oui. Ils deviendront une seule chair. Donc, il y a un processus. Donc, dans le mariage, il y a comme une complexité qui se crée, hein, comme une complémentarité, une complexité, même, voire même une ressemblance avec le temps. Au point où des couples âgés, vous pouvez avoir l'impression que c'est des frères, c'est le grand frère et la petite soeur. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que je ressemble à son grand frère? Amen. Amen. Alors je vous rappelle que j'ai déjà 11 ans de mariage. Oh. Gloire à Dieu. Et je vous informe que c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Alléluia. Nous que Jésus-Christ revienne. Ça, c'est une information. Alléluia. Amen. Amen, maman. Ça, c'est très important. Il faut mettre toutes les barrières possibles. Une fois, je prêchais à l'époque, moi, François, au courant Savigny, la grande assemblée qu'on avait. Et maman, à l'époque, j'étais encore tout jeune, maman de plus de 50 ans, elle m'a dit, tu es beau, hein. Jésus de Nazareth dit, ça c'est une malédiction. J'ai dit, maman, je fais ça, je suis marié. Et dimanche, je suis venu, bon, je vais enterrer ton nom, mais la prochaine fois tu viens, je t'expose. J'ai dit ton nom devant tout le monde. J'ai dit tout le monde, j'ai dit, église, regardez, je suis marié, donc ne venez pas. Il y a des gens courageux. Hein? Elle est là, ma femme, elle est là à l'église, elle chante. Tu es beau, hein, vraiment.
J'aimerais bien. Alléluia. Ils deviendront une seule chair. Il faut que vous deveniez un. Quand on fait comme ça, c'est que la femme comprend. Daddy ne veut pas. Il est côte. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Et nous allons prier. Nous allons lever la présence de Dieu.